j'ai 5 enfants, tous des adolescents. Je vais y aller là, allez vous allez. Ça fait 5 ados d'un coup. Je les présente. Ah. Ils sont super mignons, tu vas voir. Je savais pas, bonne soirée. Ah bon, t'es sûre? Maman Camille! T'es sérieuse là? T'allais encore me blesser sur le parking. Bouffonne. Marcus. Bouffonne, on est en 2010 ou quoi? Mathilde. Et dans 10 ans, vous vous voyez où? Dans 10 ans? Oui. Ça doit faire pas mal de bruit, les 5 ensemble. C'est mon papa. Oh, c'est pas là, c'est moi. Tu sais, je crois que j'ai envie de faire autre chose. Mais tu sais faire autre chose au moins? J'ai rien fait d'autre. Et j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Et ça me terrorise. Ce qui me vient instinctivement, c'est l'enseignement. Je suis plutôt à l'aise avec les gens, les enfants, ça me connaît. Donc voilà, je me dis que ça pourrait peut-être m'ensembler. Les enfants, vous m'accordez 2 minutes, j'ai quelque chose à vous dire. T'es malade? Non, 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 je vais bien. Non, je me suis inscrite à l'université. Je vais être honnête avec vous. J'en vois arriver à chaque rentrée des étudiants de votre âge et les 3/4, je ne les vois pas aller au bout. Pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? C'est une décision que j'avais besoin de prendre avec moi-même. Je t'aiderai, moi, s'il faut. J'aurais pu aller te voir de Mathilde et Marcus à faire, donc je vais avoir du temps. On va faire comme si tu n'avais jamais prononcé cette phrase. Je suis tellement fière d'être votre mère. Je peux pas être que ça. Parce que vous êtes en train de devenir des gens super. Et que moi, j'ai envie d'être à la hauteur.